En fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté le 5 mars. Et autant dire que le 16 mars, tout s'est écroulé. J'ai perdu 90% de mon chiffre d'affaires comme ça, du jour au lendemain. Alors, dans les livres de stratégie, on vous dit souvent quand il y a une grosse crise, il y a une partie de deuil ou d'effarement à passer. Ben, moi, ça a été très rapide en fait parce que j'ai pas paniqué, j'ai pas déprimé, j'ai pas ruminé parce que je me suis dit de toute façon, je peux pas influencer. La crise, elle est là. Donc, on dit souvent qu'un chef d'entreprise, la première qualité qu'il doit avoir, c'est le discernement. Ben, manque de bol, j'en avais manqué. Mais en gros, j'aurais pas pu prévoir que ça allait arriver. Et je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée. J'ai quand même repris pendant cette période. Donc, du coup, je me suis tout de suite mise en mode, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce que vient de décrire Laurence sur le PowerPoint, ça a été exactement la réalité. C'est-à-dire que je me suis sentie épaulée. Alors déjà, moi, au sein de mon équipe, je me suis sentie épaulée parce que le lundi soir, j'ai dit à mon équipe, bon ben voilà, vous restez pas dans vous restez pas dans l'agence, d'un point de vue sanitaire, c'est pas possible, donc vous partez chez vous et on va s'organiser pour savoir comment on va travailler. Les personnes avec qui j'avais racheté partaient en retraite, donc l'âge de la retraite, et je leur ai dit, ben, vous pouvez pas rester non plus, donc vous repartez chez vous. Et en gros, je devais avoir un accompagnement de 3 mois qui s'était réduit à une semaine. Et en fait, tout ce que Laurence vient de décrire sur le fait de travailler ensemble sur la préparation du futur, c'est exactement ce que j'ai fait. Avec l'équipe, ça a été vraiment un moment exceptionnel pour se souder. Le 1er mai, je me souviens, j'ai envoyé un bouquet de fleurs. À l'époque, j'avais que 2 personnes dans mon équipe. J'ai envoyé un bouquet de fleurs le 1er mai, alors qu'il y avait encore le confinement total. Et quand j'ai vu la réaction de mes collaboratrices qui m'ont dit, waouh, mais tu nous remercies, c'est incroyable. Alors que pour moi, ça me paraissait juste naturel. En fait, ça a créé vraiment une cohésion qui est vraiment encore valable aujourd'hui. Donc, on a préparé le futur. Donc, on a préparé le futur en termes de dire qu'est-ce qu'on va faire, comment se passera la reprise et qu'est-ce qu'on fait en attendant. Donc, garder le contact avec les clients entreprises, garder le contact avec les clients intérimaires, c'était une occasion d'appeler sans vendre quoi que ce soit. Appeler un client entreprise, j'ai un hôtel qui est un hôtel de luxe sur Orléans qui était un de mes plus gros clients et il était au fond du trou. Et un jour, il m'a payé une facture et je l'ai appelé et je lui ai dit, ben voilà, je voulais vous remercier d'avoir payé cette facture parce que la situation n'est pas facile pour vous. Et là, il a appelé sa femme qui est sa comptable et il lui a dit, tu te rends compte, Temporis nous remercie d'avoir payé. Et ben, du coup, ça a été l'un des clients qui a le mieux repris et retravaillé avec moi. Et voilà, il y a eu des très belles histoires pendant le confinement où on a pu partager des choses. Évidemment, j'ai réduit les charges au minimum hein, pendant toute cette période. J'ai perdu 3 mois de chiffre d'affaires. Donc, en gros, je vous disais, en mars, j'ai perdu 90% du chiffre d'affaires. Et en fait, de la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que depuis juin, mois après mois, je ne perds plus d'argent. Et on a vraiment un planning qui remonte mois après mois et le moral est là. Et j'ai aussi fait l'inverse de ce que toutes les entreprises ont fait, c'est que j'ai doublé la taille de mon équipe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était clair sur la stratégie de qu'est-ce qu'on va mettre en place quand on reprendra, je me suis dit, si je garde uniquement mes 2 collaboratrices d'aujourd'hui, elles vont craquer. Et ça, je ne le veux pas. Donc, j'ai doublé l'équipe et j'ai recruté, entre guillemets, à bas prix. C'est-à-dire, j'ai profité des aides de l'État. J'ai recruté 2 alternantes qui sont excellentes. J'ai découvert les aides à l'emploi de Pôle emploi. Et on a aussi des très beaux dispositifs en France. Du coup, maintenant, on est 6. Et on est 6 et on a un avenir demain qui sera bien meilleur même que l'avant-Covid. Donc, je suis très positive là-dessus. Et je voudrais vraiment remercier les équipes au siège à Toulouse. Parce que les appels au juridique, je peux vous dire que je n'étais pas une spécialiste du travail temporaire. Autant dire le chômage partiel, mais tous les jours ça changeait, tous les jours on avait des questions. Et les équipes ont été exceptionnelles au juridique. L'informatique, c'était pareil. Le marketing, en général, en temps de crise, Laurence l'a dit, mais moi je l'avais vécu aussi dans mon passé de marketeuse. Les entreprises arrêtent de communiquer. Et là, à l'inverse, Temporis a été extrêmement agile dans le fait de communiquer avec humour, mais un humour qui était sain, sur il y a la reprise et on va le faire ensemble. Donc ça a été finalement une expérience, je pense, qui en tout cas, moi, restera dans mes mémoires. Ce sera une belle histoire à raconter pour la suite.